Ben, je voulais vous dire que j'y allais parce qu'il manque du matériel. Vous me promettez de manger? Ça va? J'ai une proposition de Lausanne tout à l'heure. Je leur ai dit qu'on allait réfléchir, comme à tous les autres. Faut que tu te remettes à jouer, Aurore. Faut que tu te forces. Des soucis de santé? Vous qui êtes un peu dans l'électricité. C'est comme si je n'avais plus de courant. Bonjour. C'est pour une livraison. Merci. Dolores, je te présente Aurore Astier, une cliente. Ça fait plus d'un an que t'as pas d'histoire. Et là, tout d'un coup, un électricien débarque et tu tombes amoureuse. Écoute, Paul, je vais me remettre à jouer. J'en ai envie. Quand je vous ai vu au magasin, je sais pas pourquoi, mais j'ai tout de suite senti que vous lui plaisiez beaucoup. Écoutez. Non, c'est vous qui allez m'écouter. Ce que j'ai à vous dire est très simple. Ne l'approchez plus jamais. J'ai jamais imaginé les choses autrement. J'ai jamais pensé à une autre vie, avant toi. Aurore! Ne me dis rien, je suis heureuse! Je suis pas sûr que tu sois heureuse. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je sais pas. Tu voulais me dire quelque chose? Ne vous mettez pas dans cet état. Et si jamais ça marchait pas tous les deux, il lui resterait quoi? Mais t'imagines ta vie avec moi? Où serait ma place? Vous voulez que je vous dise? Vous n'êtes pas assez forte pour aimer. Si vous l'étiez, vous n'auriez pas d'état d'âme.